Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming, on vous avait dit à tout de suite, donc à tout de suite. C'est parti. Alors on a une petite bombe, 4 modules, 5 minutes, 3 échecs possibles. Ça me paraît pas mal, ça sent l'introduction de nouveaux modules ça. C'est parti. Révisez vos modules. Les modules sont la vie. Choisissez vos ingénieurs avec amour. Gloire et beauté. Alors c'est parti, j'ai, oh là, donc nouveau module, c'est bien ce que je disais. J'ai le truc de Simon, je crois que ça s'appelle, tu sais, les carrés de couleurs. J'ai un module avec les symboles, j'ai un module avec des fils, j'ai un module avec des chiffres, genre sur un radar, et c'est tout, c'est déjà pas mal. Alors je vais faire les chiffres, en attendant tu regardes le Simon, comment ça se passe. Module avec les chiffres, donc n'hésite pas à prendre une feuille de papier pour noter, Fox. Vas-y. Oui, j'ai c'est parti. C'est mémorie, alors le chiffre c'est un 3. Ok. Appuie sur le troisième position, il y a quoi en le troisième position c'est un 4. Validé. Ensuite c'est un 2 qui s'affiche. En troisième position. Troisième position, c'est un 3. Ok. Le... Un 1. Faut appuyer sur le numéro 3. Le nombre 3. Ok. C'était en quatrième position, c'est parti. Ensuite, c'est un 3. La même position qu'à l'étape 2, à l'étape 2, c'était troisième position. Validé. Et c'était un 1, si tu voulais tout savoir. Et là, c'est un 2. Numéro 3, nombre 3. Ok, validé. Le module est fait. Ensuite. Le Simon. Ouais. Le Simon. Quel est ton numéro de série ? Mon numéro de série... Oui. Attends. Un O avec une barre dedans, c'est un 0, je crois, non? Donc, non, j'ai pas de voyelle, monsieur. D'accord. Qu'est-ce qu'il te fait comme premier flash? Je ne sais plus, attends. Bleu. Bleu, donc jaune. Oui. Ensuite. Alors, bleu-jaune. Il te fait jaune après, comme flash? Il me fait bleu-jaune. D'accord. Donc, jaune-rouge. Jaune-rouge, c'est parti. Il me fait bleu, jaune, bleu. Jaune-rouge, jaune. Jaune-rouge, jaune. Et il est validé. Fil ou symbole? Fil. Fil, ok. J'ai un module avec 6 fils. 6 fils. 3 blancs, 2 jaunes, 1 rouge. 3 blancs, 2 jaunes, 1 rouge. Coupe le 4ème. Validé. Symbole. J'ai un espèce de C avec un L, une étoile, un lambda comme tu l'appelles, donc l'espèce de A avec une croche là, machin, et un R incomplet où il manque la barre de gauche, ou comme si c'était un 3 où il manquerait le bas, comme tu veux. Ok, le E, attends. Non, déjà le C avec un L. Ok. Ensuite le 3 complet, le okay. lambda. Et l'épaule. Ok, c'est validé. En 1 minute 41. Bravo, messieurs. Félicitations. Bien joué. Easy. C'est easy peasy aussi. Ah, mais c'est trop facile quoi. Je lui ai demandé, faut nous donner. Faire une pause et vous êtes reparti dans des nouvelles games. Je sais pas compris. Il redémarre une vidéo en fait. Et là, on est en vidéo. Ah oui, j'ai rien redémarré du tout en fait, j'ai continué. Ah oui, j'ai redémarré une nouvelle vidéo, oui, c'est vrai qu'on a redémarré une vidéo, excusez-moi. Du coup, la dernière bombe des basiques, de ce qu'ils appellent les basiques. Pick up the pace. Ce sera en 3 minutes, 3 modules. Donc 1 minute par module, pas le droit à l'erreur. C'est parti. Le meilleur score c'est Fox hein, là-dessus. Attention Fox, je compte sur toi pour me permettre de faire un score meilleur que le tien. C'est beau. Ok, j'ai un module de fil, un Simon et vous savez le truc avec les mots. Un module de mots. Alors, le Simon, est-ce que t'as une voyelle dans ton numéro de série? Numéro de série, pas de voyelle, monsieur. Et ce qui clignote, c'est vert.
Donc, vert alors. Oui. Ça donne vert. Ah, j'appuie sur vert. Ouais. Validé. Vert, rouge. Donc ça fait vert, bleu. Vert, bleu. Il me fait vert, rouge, bleu. Ça fait vert, bleu, jaune. Vert, bleu, jaune. Vert, rouge, bleu, rouge. Vert, bleu... Jaune. Attends, vert, rouge... Ouais, vert, bleu, jaune. Ah, attends, jaune. J'ai commis une erreur. Attends, on recommence. Vert, rouge, merde. Bleu, bleu. Quoi? Qu'est-ce c'était que... vert, rouge, bleu, bleu. C'est ça, c'est ton les flashs. Vert, rouge... Attends, je sais plus, attends. Du coup, attends, je suis obligé de le laisser passer. Vert, rouge, bleu, rouge. D'accord, et t'as fait une faute. Non, vas-y, donne-moi le bon truc. Ah, le bon sans faute? Ouais, le sans faute. Ok, vert... Bah non, jaune. C'était pas vert. C'était bleu. T'as fait quelques fautes, t'as fait quelques fautes. Oui, j'ai fait quelques fautes, mais je crois qu'on commençait par bleu et pas par vert. Non mais ça commence, dès que t'as fait une faute, faut tout de suite changer de séquence. Donc Donc c'est raté. Ah oui, Simon Says. Ouais, c'est un échec. Mais c'est parce que tu m'as dit ça commence par vert, mais je crois que ça commençait par bleu ta séquence en fait. Quand on la commence ta séquence, ça devait commencer par bleu. Non, c'était vert. On ne sait plus, c'est pas grave, on retry, c'est parti. 3 minutes. Donc cette fois-ci, j'ai un module avec des lettres, avec des symboles, j'ai un module avec des chiffres, et j'ai un module labyrinthe, et c'est tout. Alors, je vais faire le labyrinthe et tu vas faire les chiffres, Alex. C'est parti. Alors, tu as le point d'arrivée, le point auquel je dois arriver, qui est tout en bas à gauche, avant-dernière ligne, deuxième colonne. En bas à gauche, avant dernière ligne. Deuxième colonne. Voilà. Tu as les deux points par lesquels je ne peux pas passer. Il y en a un qui est avant dernière ligne en quatrième position à partir de la gauche. Et l'autre point qui est sur la troisième ligne à la cinquième position. Alors déjà, fais-moi les points qui sont entourés. J'ai pas compris. Les points qui sont entourés. Troisième ligne. Ouais. Cinquième position. Ouais. Dernière ligne, quatrième position. D'accord, ok. Et le point d'arrivée? Et le point d'arrivée, avant-dernière ligne, deuxième colonne. C'est bon? Allô? Ok, ouais. Et il est où ton carré? Mon carré étant 1, 2, 3, 4, quatrième ligne, quatrième position. Et tu descends une fois et tu vas tout à gauche. Hein? Ah merde! Ah non mais attends, il y a erreur, en fait je suis le point blanc et je dois aller au point rouge. Inverse les deux points que je t'ai donné. Je suis un con. Alors tu vas tout à droite et tu montes une fois. Tu vas à droite deux fois et ouais. Tu montes une fois. Ok. Ok, c'est validé. Parfait. Ensuite, symbole ou chiffre? Chiffre. Memory. Ok, memory. Donc c'est un 3. Là, il te faut une feuille de papier. J'écris. Vas-y, il le fait lui alors, vas-y. Un 3, faut appuyer sur la troisième position. 4. Ok. Un 1. Ensuite, le nombre 4. Ok, c'était en cinquième position. Enfin, en quatrième position, dernière position. Ça, c'est un 4. Le nombre 4. Validé en troisième position. Le chiffre 4. En quatrième position. Et le chiffre 1, donc c'était. Et là, ce dernier, c'est un 3. Le nombre 1. Ok, validé. Le dernier module, faut faire vite. C'est un AE, ensuite c'est un E inversé avec un tréma dessus, ensuite c'est un oméga, et après c'est l'espèce de double barre chrétienne, et je suis mort. Bande de tortues de vos morts. Ah là là, on la passera pas. Est-ce que c'est l'épreuve de barrage? Le retry, c'est parti. Attention, vidéo annoncée 3h30. C'est parti. Ouais, 1, 2, 3, c'est parti. Alors, j'ai un module de labyrinthe, j'ai un module
de Simon et j'ai un module de symbole. Simon. Simon, allez, c'est parti. Mon numéro de série, monsieur. Mon numéro de série. Contient une voyelle. D'accord. Quelle est ta première couleur? Jaune. Vert. Ensuite. Jaune, jaune. Vert, vert. Encore jaune. Vert, vert, vert. 2, 3, 4. Bah putain, c'est que du vert. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Et le dernier est un rouge. 1, 2, 3, 4. Le dernier est un rouge. Bleu. 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 Vert, c'est validé. Vert, 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 bleu. C'est validé. Ensuite, symbole ou labyrinthe? Le symbole. Allô ? Symbole, vas-y. Symbole, c'est parti. Symbole. Alors j'ai le euro inversé avec un tréma dessus, j'ai un CL, j'ai une étoile et j'ai le O avec sa barre en dessous. Donc on appellera le Q. D'abord le E inversé, oui. Le Q, le CL, et tu m'as dit c'était quoi le dernier ? Et l'étoile. C'est bon, l'étoile. C'est validé. Labyrinthe. Alors la position des deux bloquants, c'est deuxième colonne, première ligne et dernière ligne. Ah. Vas-y Fox, parce que moi je le... Vas-y Fox, première ligne, dernière ligne, deuxième colonne. C'est les deux bloquants. Ok, je l'ai. Alors, ton carré? Mon carré est dernière ligne, quatrième position. Et ton arrivée? Et mon arrivée était 1, 2, 3, 4, quatrième ligne, troisième position. Droite une fois. Oui. Haut une fois. Oui. Gauche deux fois. Oui. Haut une fois. Validé. À 50 secondes. C'était en bas à gauche. Tu vois, il te dit les positions des ronds. Ouais. Donc tu peux repérer quel labyrinthe c'est. Ouais. C'est celui en bas à gauche. Il te dit le départ. Il te dit le départ qui est un certain point. Là, qui était le tout en bas, enfin dernière ligne, quatrième colonne. Il te dit l'arrivée qui était là, c'était quatrième ligne, troisième colonne, et il faut faire déplacer le carré pour qu'il touche pas les bords. Quoi. D'accord, donc faut faire droite. C'est haut, ça, en gros, moi je vois pas de labyrinthe. Droite, okay, haut, okay. Gauche, haut. Toi, t'es obligé de trianguler en gros ma position pour te savoir que. En fait, en te donnant les deux bloquants, je te donne le schéma de labyrinthe que c'est. C'est les deux ronds, ça, c'est ça? C'est les deux ronds, exactement. Quand je te donne les deux ronds, je te donne le schéma que c'est. Et après, il faut que je te donne donc mon point de départ et mon point d'arrivée. Et c'est à toi de me dire comment je circule là-dedans. Voilà. D'accord. Et il a aucune vue sur les traits. Et j'ai fait un meilleur score que Fox, qui était le numéro 1. Fox a été vaincu. Nous sommes les numéros 1. Bravo, messieurs. Ah, c'est normal, j'étais pas là. Sinon, t'aurais win. Là, il nous restait 50 secondes 30. Hein. C'était beau. C'était beau. Et j'espère que vous avez adoré, messieurs, parce que pour la prochaine vidéo, c'est la troisième section. C'est bien ça, ça va être plus dur. Bon, fais des bisous à tout le monde. Ciao. Salut.